dans le Seigneur. Nous voici arrivés à notre troisième journée de la grande conférence apostolique et prophétique avec notre hôte, l'évêque Étienne Guigui Longo. Alors, nous avons cette troisième séance et pendant cette troisième séance, nous aurons deux sessions. La première qui va débuter dans quelques instants, de 10h à midi, et la deuxième séance de 17h à 20h. Et pendant cette première séance, nous aurons deux orateurs. Le premier orateur étant l'apôtre Douglas Kojeka. Le deuxième orateur étant le pasteur Serge Mindala, nommé le phénoménal. Alors, bienvenue dans le Seigneur, n'oubliez pas de partager massivement la vidéo, invitée pour faire vos amis à se connecter afin qu'ils soient eux aussi bénis. Et vous qui habitez dans la région, rejoignez-nous à l'adresse mentionnée ci-dessous. Nous voici arrivés à notre troisième journée de la grande conférence apostolique et prophétique avec notre hôte, l'évêque Étienne Guigui Longo. Alors, nous avons cette troisième séance et pendant cette troisième séance, nous aurons deux sessions. La première qui va débuter dans quelques instants, de 10h à midi, et la deuxième séance de 17h à 20h. Et pendant cette première séance, nous aurons deux orateurs. Le premier orateur étant l'apôtre Douglas Kojeka, et le deuxième orateur étant le pasteur Serge Mindala, nommé le phénoménal. Alors, bienvenue dans le Seigneur, n'oubliez pas de partager massivement la vidéo, invitée pour faire vos amis à se connecter afin qu'ils soient eux aussi bénis. Et vous qui habitez dans la région, rejoignez-nous à l'adresse mentionnée ci-dessous. Parce que tu t'es levé, Dieu t'a fait grâce. C'est une opportunité de plus d'être dans sa présence. Une occasion de plus de le célébrer. Alléluia! Est-ce que vous êtes dans la joie? Alléluia! C'est notre quatrième session de la convention. Et nous rendons gloire à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Le Dieu assis sur le trône et qui règne à jamais. Puissant de Meias qui est comme toi, le Dieu de mon Père. Nous célébrons ta grâce. Le Dieu d'amour. Magnifique est ton nom. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Est-ce que tu peux prendre quelques secondes pour partager la vidéo? Pour bénir la vie de quelqu'un? Est-ce que tu peux prendre le temps de partager dans les groupes? De mettre même sur ta page parce que tu ne sais pas qui ça peut bénir. Ça peut toucher quelqu'un, quelqu'un qui passe des moments difficiles, qui a besoin d'entendre la parole de Dieu, la parole qui console, la parole qui guérit, la parole qui fait du bien. Je t'invite là où tu es de te lever dans la présence de Dieu. Parce que si tu as pris le temps de t'habiller, de te maquiller, de te préparer, c'est pour venir adorer ton Dieu. Est-ce que tu peux te lever dans la présence du roi des rois? Rebacheke rebosata rabasanda. Et puissant est mon Dieu. Tu es élevé. Tu règnes à jamais. Grand et puissant. Tu es puissant notre Dieu. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es. Grand et puissant, Jésus-Christ, tu règnes à jamais. Est-ce que tu peux lever ta voix pour adorer ton Dieu, le roi des rois, le Seigneur de gloire, celui qui fait nos cheveux, qui t'a donné tout à fait du bien, qui t'a donné ce matin, qui te tient à bord? Est-ce que tu peux rentrer sur la terre ce matin pour faire ton adoration? Nous avons Seigneur de vos amants, grand et puissant dans ton Dieu. Que celui qui nous fait du bien, qui te suffit à soi rien. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Nous élevons nos voix pour célébrer ton nom. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Mais celui qui nous fait du bien, qui nous fait nous faire nous élevons. Nous célébrons ta parole.
voix qui fait, et nous serons dans la gloire, toute la gloire, Seigneur, que tu sois le roi de la tu es le seul qui se situe en toi-même, c'est un seul qui est le ciel de la terre, mais tu te rassures plus fort, parce qu'elle te fallait te retrouver dans nous, tu sais bien toi-même, tu es un homme à notre humain, tu nous as créés, avant de se rassembler, tu nous as créés pour te célébrer, pour t'adorer, c'est pas nous célébrons ton frère, ton frère, nous voulons l'esprit de notre connaissance dans l'espoir. Nous voulons planifier cet aventure en moi, que chaque émission au combat, le pouvoir de la foi, le secteur soit dans nos vies, que soit dans la foi, soit là, qu'il soit dans les rangs pour s'adorer, que dans les corps et les corps, on puisse faire du pétrole, pour venir tous les effets, pour venir s'adorer, parce que c'est notre Dieu, c'est mort pour toi. Je ne veux pas que tu Thank you.
À toi, Jésus, à toi, l'agneau,
reçois Seigneur, reçois clamation, reçois Jésus, reçois Seigneur, Thank you.
Thank you.
Jésus prend sa place. Son sang veut dire Jésus prend sa place. Nous croyons que ce n'est pas seulement des lèvres comme le disant, mais de tout notre cœur, Jésus prend sa place. Est-ce que vous me souhaitez le voir? Jésus prend sa place dans son église, dans son matin. Jésus prend sa place dans nos cœurs, prend sa place dans nos vies, prend sa place dans notre quotidien. Jésus, devant le roi des rois qui toujours nous réjouit. Je suis assis et je me vois, Jésus. Jésus prend ta place, Jésus. Jésus prend ta place, Jésus. Le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant guerrier, le véritable Dieu, il s'appelle Jésus. Est-ce que tu peux apprécier ce Seigneur puissant, ce Seigneur glorieux, le prince de paix, l'ami fidèle, le seul et unique Dieu, le véritable ami, Célébroski Kababa. Merci Seigneur. Et tu m'entends crier le long de cet amour. Ton vêtement est plus doux et je te vois, mon Jésus. Je suis épris de toi, tu es mon divin. Dans tes bras, je te suis, ça fait ta chaleur. Je te fais mon père. Oh, je suis précieux sauveur, nous te célébrons du 20e. Je suis tellement belle, je suis tellement belle. Abrusta, retana abrusta, je suis Jésus.
Nous célébrons un grand Dieu. Il est le véritable ami, il s'appelle Jésus. Le maître des temps des circonstances. Les grands bergers qui marchent devant son peuple. Rebosse, Sarabosse, Terebosse. Tu es la parole, fais chier, Seigneur. Nous te bénissons pour ces grands saluts que tu nous donnes à la croix. Les saluts que tu maintiens dans nos cœurs, c'est ta grâce et ta faveur. Nous voulons te dire merci, Jésus. Pour les brosser, Seigneur, papa. Le bonheur de ma vie, c'est d'être avec toi. Si c'est ton Dieu d'amour qui m'a dit vers toi, entendre ta douce voix, voilà ce que ma foi demeure dans tes bras, car ton aide et ton amour restent plus près de toi. Mon seul amour. Je suis mal à la tête, alors je sais pas d'où. Convaincu, je suis dit, que je t'aime, mon Jésus. Je suis appris de toi, tu es mon fils à moi. Je sais pas que je suis. Nous sommes dans ta demeure, la raison pour laquelle nous te glorifions. Nous sommes dans ta demeure, la raison pour laquelle nous te glorifions. Afin de pouvoir acclamer le Seigneur. Acclamer ce grand Dieu qui nous a ramassés, qui nous a refléter la bonne manière de vivre. Il est notre seul appui. Merci Seigneur. Voilà que nous sommes debout, nous allons retrouver mon rappeur. Aujourd'hui, on va aller très vite, parce que le service sera très long, le soir, on a l'ordination. On a passé un minute avec mon ami et frère, l'homme de Double Glace, la petite Douglas, qui ont mis le temps, il nous a fait tellement de bien. Et surtout, professionnellement, il m'a fait pleurer, je me suis dit, je vais vous faire des vies. Sans doute, je ne peux pas être sur le Seigneur, le roi des rois. Bénédicte par les cieux, merci Seigneur. Thank you.
vraiment sur votre Dieu. Merci. En tout cas, pour voir cette conférence que nous sommes vraiment bénis. Merci. Le prophète, de votre petit Dieu, et de nous avoir associé à ce grand monde. Et que la gloire soit de Dieu et de Dieu vous bénisse. Alors, nous allons rapidement dans les écritures. Nous allons prendre le chapitre 17, le verset 18 au verset 23. Je laisse la main de la fille de Dieu au maître du ciel et de la fille. Je lui prendrai ciel et fixe à toi. Tu es ici, il faut que tu le suivis. Tu es ici, je prends ici. Je sais que c'est toi qui grande nation, je te dis que tu sais rendre ton nom grand, celui-ci. Je rendrai ton nom grand. C'est une des promesses que Dieu a fait pour notre père Abraham. Et derrière son Abraham, il y a toi et moi. Je te rends ce temps pour le fils. Et je sais que c'est toi qui nation, qui te crois, certainement. Il va avoir une question de l'histoire.
Cela me touche aujourd'hui. Dieu lui fit plusieurs promesses.
Un roi sans commandement.
Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi des rois, le véritable ami, le témoin fidèle, celui qui nous a rachetés? Il est le témoin fidèle. Il défend la cause des opprimés. Il s'appelle Jésus. Cet homme a été rencontré nous deux comme ça. Et comme il le disait hier, le pasteur Serge lui avait parlé de moi en bien. Pendant que plusieurs personnes parlaient du mal de moi chez lui, il n'a pas écouté. J'ai toujours dit au berger Eric, l'apôtre Douglas connaît les ministères et les choses de Dieu, mais les gens ne savent pas. Je lui ai répété ça plusieurs fois. Je lui ai dit, il a travaillé derrière quelqu'un, excusez-moi de le dire comme ça, qui n'était pas honnête. Il est resté fidèle jusqu'à la fin. Et ce sont des personnes que Dieu cherche. Il a la loyauté que Christ a placée en lui. Vous savez, maintenant, nous avons des gens qui sont humblement orgueilleux. Humblement orgueilleux. Ces gens-là, ils ont des phrases lorsqu'ils les disent. Ça crée pas de problème. Si nous, on les dit, ça crée des problèmes. Je bénis Dieu pour son serviteur. J'étais un jour dans un endroit, les gens disaient, ce petit-là, Douglas, il doit d'abord s'entraîner beaucoup. Mais malheureusement, ce Douglas-là, il s'est vraiment entraîné. Et personne en Europe ne me dira que j'ai acheté la salle à 1 400 000 euros. Lui, il l'a fait avec les seigneurs. Vous allez me dire quoi? La manne descend gratuitement. Il faut se réveiller pour sortir pour ramasser la manne. La grâce est disponible, mais il faut que tu te réveilles afin de sortir pour ramasser la grâce qui est la manne. Jésus au ciel. Il vit au-dedans de nous, mais nous devons activer les choses pour manifester Christ. J'aime son cœur, son humilité. Des fois, il parle moins, mais les choses se font. Et je bénis le Seigneur. On avait une conversation, nous deux, pour le pasteur Serge. On avait la même idée, la même chose qu'on s'est dit. Ça, c'est notre secret à nous deux, par rapport à toi. Notre conciliabule. On a parlé, nous deux, de toi. On avait dit, tu étais juste phénoménal. Et c'est à cause de ça que nous t'avons associé dans cette conférence pour que tu viennes nous phénoménaliser. D'une manière phénoménale. Pendant qu'il s'approche le pasteur Serge Bala, le phénoménal est de l'obéir. Praise God. Let's lift our hands and praise the name of Jesus. Father God, we love you. We thank you. We bless your holy name. We bow down and we worship you. We love your presence. We bless your servant, the bishop, the angel of the house, for his love, his kindness, his leadership, his sanctification, and the way he does the ministry. We bless you. We bless you for your servant, the Apostle Douglas, and his wife and his family, for his consecration. Thank you for what you did and you done for him.
buying a building of 1,400,000 euros. It's not something big to you, but for us, it's a great, great performance coming from heaven. Father, we give you praise for this church, Mayas. What a wonderful people. What a service. What a protocol. I ask you to bless all these young people, young girls and boys. Bless them behind their imagination. Take them over their limits, beyond their limits. Bless all the families representing this place. Bless the kids, the children. Bless every strategy that your servant put in place. Father, I feel this anointing to release the prophetic word. Thank you for your servant, Apostle Alidor. What a wonderful man. What a heart. What a humble man. Give him everything in you. He's asking you. Lead his heart in Jesus' name. We bless you for everything, the prophet Rufa and all the men of God in this place. Love you, Jesus. We love you. We love you. We don't serve you because of the money, because of the vain glory. We serve you because you chose us to be your servant. In Jesus' name, and somebody say amen. Amen. Clap your hands. Hallelujah. Bless the name of Jesus, the Son of the Living God, the Morning Star. Hallelujah. J'apprécie encore la grâce qui m'est offerte aujourd'hui et l'opportunité de parler. Et comme je ne le répéterai pas assez, pour moi, ce n'est pas un acquis. Chaque fois que je suis invité ici, c'est une remise en cause. C'est un challenge, c'est un défi de parler devant ce grand peuple. J'ai eu la grâce de voyager un tout petit peu dans le monde, de sillonner quelques églises, ça et là. Mais je peux vous le garantir que vous êtes parmi les plus merveilleuses églises que j'ai rencontrées. Pas dans la forme, mais dans le fond, la structure du travail, l'énergie que vous mettez pour servir Dieu. It's just great. Amen. Vous pouvez vous asseoir et je bénis le Seigneur pour l'apôtre Douglas aussi. Je n'ai pas des mots pour décrire. Je pense que le bishop a tout dit. Amen. Je suis entré dans une forme de conversation entre l'apôtre Alidor et l'évêque. Je ne sais pas si c'est une conversation qui aura lieu ou qui a déjà eu lieu ou qui va avoir lieu ou qui est en train de se passer. Mais dans cette conversation, je voyais l'évêque et l'apôtre en train de se raccorder les idées pour créer un événement qui va aider le très respectable pasteur Dominique Ngoy à parler à une classe des serviteurs de Dieu. C'est comme si c'est un désir qu'il y a dans son cœur, un fardeau. Il aimerait, je ne dirais pas impacter, mais il aimerait créer un réseau. De la même manière, il fait sa conférence de partage d'expérience, mais il aimerait le faire à l'international. Mais à cause de, on va dire, de son poids et de sa dignité, il n'aimerait pas le faire n'importe comment. Et c'est comme si vous aviez pris conscience de ça et vous en parlez entre vous et vous aimeriez le mettre en place. Vous savez que je ne suis pas prophète, donc j'articule des fois mal les choses que je vois et je sens.
je suis un peu prophétique. Hein. Moi, je me suis vu dedans. Je me suis vu dedans parce que Dieu m'a donné l'âme d'un organisateur. Et je t'en ai parlé. Parmi les serments que j'ai faits dans ma foi chrétienne, je suis toujours prêt à servir les frères, à être prêt à oublier ce que je suis et me mettre au service d'un frère et plus encore d'un père. Cette chose que Dieu a mis dans vos cœurs, il faut le faire. Parce que cet homme n'aime pas être exposé de lui-même à la lumière. Il y a des choses que les gens doivent faire pour lui, pour préserver sa nature d'homme effacé. Ce n'est pas un homme qui va exiger des choses, mais son comportement, sa manière d'être, exige à ceux qui sont autour de lui de faire certaines choses à cause de la grandeur de l'esprit qui est en lui. C'est le message que j'ai reçu et je bénis le Seigneur pour cela. Merci de l'avoir confirmé, évêque. Le message que j'ai donné hier, je suis rentré, mais je pense que beaucoup ne l'ont pas capté. Lorsque je parlais de holding, en fait, dans mon esprit, j'ai vu une grosse boîte. Ce n'est pas forcément une banque, mais la banque fera partie. Et j'ai vu des jeunes gens qui voulaient finir leurs études au master, mais qui ont dit ils ne vont pas s'arrêter au master, ils veulent devenir des PhD. Parce que ce genre de structure ne demande pas seulement une compétence, mais demande une expertise. Donc, oh, mais à prophétie, oh. I'm gifted. En fait, ce message, en réalité, n'est pas pour le prof, pour le prophète, pour l'évêque. Ce message est pour les gens qui sont ici. C'est-à-dire, go beyond your limit. Parce que pour être un trader, pour travailler dans les finances, il faut une certaine compétence qui sort de l'ordinaire. Un BTS ne suffit pas. Une petite formation vite fait de 6 mois ne suffit pas. Il faut que tu maîtrises un certain nombre d'éléments du circuit bancaire pour prétendre travailler dans un certain milieu. Je voulais entendre des amens et des jeunes ici. Je sais que ça dépasse un peu les parents, mais pas pour toi. Toi, tu peux même dire un amen phénoménal. Pousse ta pensée plus loin. Ton désir d'aller connaître. Nous ne sommes plus dans les années 70, 80, où pour devenir millionnaire, il fallait dépasser 50 ans. Aujourd'hui, tu peux avoir 25 ans et devenir millionnaire. Ton amen est tellement faible. Tu peux entrer dans un circuit, apprendre comment on manipule, comment être un gestionnaire de patrimoine. Tu sais ce que ça vaut être un gestionnaire de patrimoine. C'est-à-dire des gens peuvent te confier des milliards d'euros. Et c'est toi qui les conseilles à faire des placements financiers et immobiliers. Et ce sont des personnes, tu vas entrer dans le circuit des hommes les plus riches de la planète. Parce que tu... Et
Dieu ne veut pas que tu restes dans le parfum de ce que tu financier. Il veut te mener dans la liste et sans défaire. Là où on parle de Dieu de Fétra, où on parle le financement des gouvernements, c'est-à-dire des gouvernements viennent demander de l'aide à des individus. Et c'est toi qui veux construire un système de presse. Dieu ne fait rien sans rien. Il a un plan, il a une technologie. C'est la raison pour laquelle toutes ces choses ont été mises par cet homme. Évêque, on ne te flatte pas. Et on ne devra jamais te flatter. Et on ne te respecte pas. Moi personnellement, et je pense que tous les hommes de Dieu qui sont là. Pas parce que tu es béni. Parce que tu as l'argent. Non. On te respecte parce que tu es un homme correct. Un homme droit. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent. Mais ça ne nous impressionne pas. Mais on te respecte aussi parce que tu as une grâce spéciale. Et ta responsabilité est énorme dans cette génération. Tu dois à un certain moment t'en foutre de quand dira-t-on. De ce que les gens prétendent dire, il fait ceci, il fait cela. Non. Beaucoup de gens ont besoin de ça, de cette grâce, de cette faveur, de cette connexion pour émerger dans ce circuit, dans ce secteur. Tu n'es pas seulement un prédicateur, tu n'es pas seulement un prophète, tu es aussi un libérateur, un producteur d'étoiles et des hommes et des femmes, surtout des jeunes gens. Je parle de la jeune génération. Amen, amen. Je dois prêcher. Tu vois, c'est pourquoi je n'aime pas les prophéties ou les paroles de connaissance. Ça perturbe ce que j'aime faire prêcher. Seigneur, je bloque les prophéties au nom de Jésus. Bloque, je bloque. Je veux lire quelques textes avec vous. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. J'ai commencé à quelle heure? Je vais regarder l'horloge. 45, donc j'ai déjà pris 15 minutes, 10 minutes, ok. Donc je dois finir à 30, hein, c'est ça. Ok. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. À partir du verset 2, l'apôtre Paul dit ceci, ou les Saintes Écritures disent ceci, mais c'est Paul qui le dit. C'est vous qui êtes notre lettre, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, écrite dans nos cœurs. Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, élue de tous les hommes. Verset 3 dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vous êtes notre lettre, mais vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit. Ministry is mystery. Destiny is a mystery. Le ministère et la destinée sont des mystères. C'est-à-dire, même lorsque Dieu te sauvera, tu iras au ciel. Mais il te fera passer par une certaine technologie pour devenir une certaine typologie. C'est-à-dire que chez Samsung, on ne fabrique que des Samsung. Ils sont tous dans l'arène de la technologie, les smartphones, mais chez Samsung, ils ont des spécialités. Dans le fast food, vous avez les McDo, vous avez les Burger King et vous avez les autres. Mais
celui qui aime le McDo a été attaché à son goût, il aura des fois du mal à tester un autre goût. C'est pourquoi lorsque vous allez dans le domaine de la concurrence du marketing, lorsque vous allez dans McDo, ils n'ont pas peur de vous dire « If you don't like our food, allez-y au Burger King. » Parce qu'ils savent que ce qu'eux, ils offrent, personne d'autre ne peut produire les recettes et le test, le goût de McDo. L'apôtre Paul dit « Vous êtes une lettre de Christ. » Il est votre Dieu, il est votre sauveur, mais vous l'êtes écrite par notre ministère. C'est-à-dire, mon identité est ton emprunt. Tu ne peux pas être juste chrétien. Ce n'est pas assez. Il faut qu'on t'écrive. Tu dois devenir une lettre. C'est-à-dire, quand les gens te regardent, on te classifie. On t'identifie. On te dit, tu dois être des meilleurs. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas seulement dans le cœur, il a écrit dans la chair. C'est-à-dire, l'impact de cette technologie aura même de l'influence sur ta manière de devenir. Ta manière de prier, ta manière de te comporter. Et ça peut aller plus loin dans la manière de t'habiller, la manière de parler, à cause de la technologie. Ton amen est tellement faible. Donc, tu ne dois pas rester rigide avec ta mentalité que tu as reçue. Si tu veux être approprié de toute la technologie de la maison, tu dois devenir malléable. Tu dois devenir flexible. Tu dois permettre à l'artisan de pouvoir enlever tous les déchets qui lui empêchera de mettre la technologie à l'intérieur. Ton amen ne me convainc pas, il est tellement faible. Le deuxième texte que je vais lire avec vous, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 24. Je vais parler pendant 10-15 minutes parce que la journée, elle est longue. Permettez-moi d'être très simple dans ma manière de m'exprimer aujourd'hui, parce que je crois que l'essentiel que je devais dire, ça a été dit. Genèse chapitre 24. Je lis pour vous le premier verset, le deuxième, le troisième et le quatrième, et je vais sauter pour aller lire le 60e verset. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel bénit Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Vous pouvez souligner le mot intendant. L'intendant de tous ses biens. Mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Je vais aller au cinquième encore. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où il est sorti? Abraham lui répondit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je te donnerai ce pays et ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils.
Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te prescris. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui dit, lui jura d'observer ces choses. Je lis le verset 60. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, des myriades, et que tu possèdes, et que ta postérité, pardon, possède la porte de tes ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes et elles montèrent sur les chameaux. L'histoire d'Abraham qui nous donne l'inspiration de cette conférence est aussi l'histoire qui se passe dans la maison d'Abraham. Mais avant qu'elle commence dans la maison d'Abraham, les commentateurs, certains commentateurs bibliques disent que les 318 hommes, ou le chiffre, non pas le chiffre, le nombre 318, dans les calculs des lettres hébraïques, cela donne le nom de Éliézer de Damas. Certains commentateurs hébraïques le disent. Je ne prends pas ça comme une parole d'autorité, mais comme une information. Je sais que j'ai beaucoup d'exégèses ici, et c'est important de rappeler cette information. Mais il y a comme une connexion. Lorsque Abraham décidera de prendre une femme pour Isaac, il ne va pas confier la mission à n'importe qui. Il avait certes beaucoup de serviteurs, mais il va le confier à Éliézer de Damas. La Bible stipule que c'était le serviteur le plus ancien de sa maison. Et la Bible dit qu'il était l'intendant d'Abraham, c'est-à-dire il était le gestionnaire des biens et de la famille d'Abraham. C'était un homme hyper occupé, Abraham. C'était un homme qui avait beaucoup de choses à faire. Donc, il va faire le choix pour le mariage du fils de la promesse. J'ouvre une parenthèse. Abraham va avoir une relation très spéciale avec certain nombre de gens de sa maison. Dans sa descendance ou dans ses deux descendants, un est prétendant, mais l'autre va devenir l'ascendant. Je disais ceci. Abraham va avoir deux descendants dans sa maison. L'un aussi est un prétendant à la succession. Mais l'autre va devenir l'ascendant. Ismaël est le prétendant. Au trône. Mais la technologie lui empêche d'accéder là-bas. Il est limité. Il a envie. Il a le désir. Il a aussi la prétention de devenir. Mais son fonctionnement intérieur ne peut pas le placer dans l'ascendance. Tu n'es pas en train de comprendre ce que je dis. Je suis en train de dire ceci, que nous ne faisons pas les choses de Dieu parce que nous voulons. Nous faisons les choses de Dieu parce que nous avons été choisis. Et si tu ne comprends pas ces choses, tu tombes dans la jalousie. Parce que même lorsque tu prétends, tu ne peux prendre part qu'à la destinée que Dieu a placée. Ou à la technologie que Dieu a placée en toi.
Tu es certes un descendant, mais Dieu ne veut pas que tu deviennes un ascendant. Les parents savent ces choses. Les parents, ils savent ces choses. Les vêtements savent ces choses. Les leaders savent ces choses. Je vais faire une petite bifurcation très rapide, hein, mais ne vous inquiétez pas. Lorsque vous regardez le film Le Parrain, pour ceux qui connaissent un peu, tout le monde voulait prétendre à devenir le successeur du parrain. Mais celui qui était le moins en vue, c'est lui qui avait la carrure. Il y a des choses, pour les assumer, tu n'as pas seulement besoin d'être un descendant. Tu dois avoir l'esprit de l'ascendance. L'esprit qui correspond à la mission. Tu es talentueux, mais tu n'es pas caractériel. Tu as le potentiel, mais tu es léger. Tu as la légèreté. Donne-moi des amen bien. Tu es belle, mais tu es frivole. Donne-moi un amen bien. Tu es négligente. Tu as le potentiel de devenir manager, mais tu te conduis comme un employé. Tu as la chose, mais tu n'as pas de matrix. Tu n'as pas le système en toi qui te permet d'adhérer, d'avoir l'accès à toutes les données qui... Aïe, je sens ma tête envie d'exploser quand je parle de ces choses. Et la Bible dit, Dieu, pour protéger le système qu'il a placé chez l'ascendant, il va choisir l'intendant. Pas n'importe lequel, Eliezer de Damas. Pourquoi? Parce que dans le système de l'intendant, il sait ce qui convient aux descendants. Il sait. Il dit, lorsque tu iras choisir la femme, ne choisis pas celle qui est belle. Ne choisis pas celle qui tape à l'œil, mais choisis celle qui correspond au modèle de l'ascendant. Parce que Abraham savait, comme il est apôtre, il est en train de mettre des bases qui doivent durer éternellement dans l'Église. Et il n'y a aucune mixture entre les ténèbres et la lumière, entre le monde et l'Église. Le choix de l'Église doit rester basé sur le modèle des apôtres et des prophètes. Et Abraham disait, quand tu vas aller prendre une femme, elle doit correspondre au modèle de Sarah. Sarah n'est pas une diva. Sarah n'est pas une conne. Sarah, c'est une mère. Et la femme que tu dois ramener, c'est l'ascendant, doit aussi avoir la même typologie et le même caractère. L'Église ne fait pas de foi par rapport au bling-bling, par rapport à l'image, mais par rapport au témoignage de l'Esprit. On ne te confie pas les tâches parce que tu es capable. On te confie les tâches parce que tu les feras telles qu'on te les a demandées. Fils. Donne-moi un amen bien. Les gens comme nous, les talents ne nous impressionnent pas. Des choses qui nous impressionnent, c'est la durée. C'est la loyauté,
c'est la capacité de prendre et de ne pas sombrer. Prendre des coups et rester ferme. Parce que tu ne trouveras pas de motif de dire je suis déloyal. Tu vas trouver le témoignage. Le témoignage sera perpétuel jusqu'à la fin. Donc Dieu va te coincer. Tu ne trouveras pas une excuse pour dire que non, l'homme de Dieu a péché, c'est pourquoi moi aussi j'ai péché. Non, l'homme de Dieu va rester correct. Abraham est resté correct dans sa maison. La Bible dit dans le chapitre 17, lorsque Dieu a voulu entrer en fonction avec lui, il a dit je t'ai mis des systèmes, mais non, pour que ce système fonctionne, marche devant moi et sois intègre. Il est resté intègre. C'est alors qu'on va le confier à Eliezer de Damas. Et lorsque Eliezer de Damas prend la mission, il fait une prière. Il dit, je prie pour que tu me donnes le succès. Non. Lorsqu'il prie, il dit, je veux que la mission qui m'a été confiée par Abraham réussisse. Les Eliezer de Damas ne sont pas des gens qui ont leur agenda caché. Ils veulent leur mission sur la terre, c'est faire réussir l'architecture d'Abraham, de pérenniser. Ils n'ont aucun agenda pour eux. Ce ne sont pas des hommes hyper ambitieux. Non, c'est des gens qui ont dédié leur cœur pour la cause d'un homme. Ils n'ont pas besoin de prier, ils n'ont pas besoin d'être connus, ils n'ont pas besoin qu'on les cite. Ça leur dit rien la célébrité, ça leur dit rien qu'on parle d'eux, qu'on cite leur nom. C'est des gens désintéressés à la lumière et à la gloire. Ils font la cause d'Abraham. Il y a des gens qui sont ici. Vous êtes là parce que certaines pas, votre mère a fait une abnégation sur sa personne. Ta mère a dit, mes enfants doivent réussir. Elle s'est oubliée. Elle n'a plus acheté de pagne ni de rhum. Elle ne s'est pas conduite comme toutes les femmes. Elle n'a plus acheté de sac Gucci. Elle n'a plus voulu voyager. Elle a dit mes enfants. Elle a fait une abnégation à ma personne parce qu'elle a vu en toi que ta destinée était plus grande que la sienne. I feel the anointing when I'm talking about this stuff. I feel the grace of God. C'est ce que l'église francophone n'a pas. Les gens qui vivent dans l'abnégation, dans le côté absolu de l'évangile, ils veulent pas être connus. Ils veulent faire connaître l'évangile à travers le porteur Abraham, l'auteur de l'architecture, l'auteur de celui qui a fait cette chose. C'est ça. Et c'est ce qui tue les jeunes aujourd'hui. Papa, moi aussi, je sens des choses. Pourquoi tu veux réinventer la roue? Berger, un gars comme toi, toi si tu échoues, moi je viendrai te maudire. Je te dis la vérité. Nous, on n'a pas eu ce que toi tu as eu. Donc, quand on fera la consécration là, petit, c'est pas de la blague, hein? Je te dis, ce n'est pas de la blague. On t'a donc, moi, si j'avais la toque de Mobutu, j'allais amener vraiment les tabous. Je jure, au nom de Jésus, je servirai Dieu à côté de cet homme. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ce que tu veux chercher, il y a des pasteurs qui ne l'ont pas, qui sont 10 ans dans les ministères, 15 ans dans les ministères. Toi, avant qu'on te consacre, tu les as déjà. Thank you.
sont les amis qui peuvent porter les autres vers le succès. Où sont ces amis? Je parle avec l'évêque et je lui révèle une partie parce que je suis très secret de nature, mais je lui ouvre mon cœur. Où sont les amis des fois qui peuvent se dire, il faut faire réussir ce gars, cet ami-là. On est dans un siècle d'avare. Les gens sont avares. Les gens veulent être. C'est eux. Ils veulent que vous restiez petits pour que vous venez leur demander. Mais les gens comme nous, tu ne mourras pas. Excuse-moi, c'est Anna. Sandra, excuse-moi, je vais le dire dans ma langue parce que ça vient de ma langue. Yank na plan, hein? You ma ben na plan, hein? Ça veut dire que j'ai appris que la divinité exige la dignité. Même quand j'en ai pas. Mais la divinité m'exige la dignité. Je ne te demande pas. Parce que je dois garder ma dignité. Je préfère marcher encore à pied. Je préfère. Mais je ne te demande pas. Un père ne demande pas pour sa dignité. Mais les enfants doivent savoir que notre père en a besoin. Le ministère exige ces choses. Et tu as porté ces valeurs, évêque. Porte-les encore plus haut. Il faut que le monde vienne voir le protocole, le respect. Comment les gens servent Dieu ici. Comment on honore un homme de Dieu. Tu l'as ça dans tes tripes, dans ton sang. Tu forces le respect. On n'a pas besoin d'aller aux États-Unis pour voir certains nombres de choses. Ici, au Luxembourg, on le voit. Forcez l'admiration, là où vous êtes. Qu'on respecte votre Dieu à travers votre dignité. Parlez de votre Dieu, de votre Père, de votre Église, comme on parle avec conviction. Ne tergiverse pas. Et lorsque Eliezer de Damas finit son travail, il choisit Rebecca, il place la pièce d'or sur elle, et c'est elle le choix. La Bible dit dans le verset 60, on peut me remettre le verset 60, qu'on le lise ensemble, parce que c'est le bouquet rose, la cerise sur le gâteau. Verset 60. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des myriades et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Cette parole ne vient pas d'Eliezer de Damas. Ça vient de la famille de Rebecca. Cette parole était méconnue quand Dieu le donnait à Abraham. Dans le chapitre 15. Quand Dieu montrait des étoiles, je parlais des constellations. Vous vous rappelez? J'avais dit c'est une trilogie. Vous avez oublié? C'est une saga trilogique. Donc, première partie de hier, deuxième, et la suite, on clôture, il y a trois. Donc, je n'ai pas péché bloukoutoubou. Non. C'est structuré. Et l'évêque, tu dois savoir que tu as des amis. Si on les place avec des prédicateurs du monde, on les place. Donc, tu n'as pas besoin de paniquer. Ils vont défendre les maillots.
ils vont défendre les mailles. On n'a pas de grandes églises, mais on a la cause. Un jour, je vous raconterai mon témoignage sous la permission de l'évêque. On n'est pas des petits monsieur. Et des fois, un jour, on parle avec lui. Les gens me disent, ils se demandent, ah, mais avec tout ce qu'il sait, pourquoi il n'a pas de grandes églises? Des fois, la vie est faite des choses que vous-même, vous ne pouvez pas expliquer. Vous étiez là, à un moment, vous avez tout perdu. Et puis, les gens, quand ils vous regardent, ils pensent que vous êtes un simple monsieur qui vient accompagner le ministère. Mais ceux qui connaissent l'histoire, ils savent. Je connais les gens qui n'ont rien, qui ont des grandes églises. Garde ce que tu as. Amen. On le dit humblement, mais on n'est pas des menus frettes. On n'est pas des menus frettes. Il ne faut pas comparer le ministère de quelqu'un par la taille de son église. Ne dis pas, ah, il est grand serviteur, grand par la foule. Mais il y a une autre grandeur, grand par le message. L'apôtre Douglas n'est pas le pasteur le plus connu de la francophonie. Mais il vient d'acheter un immeuble de 1,4 million. Mais il ne fait pas la publicité. Mais quand tu vas compter les gens, tu vas dire, ah, l'apôtre Douglas, oh, je ne le connais pas. Dans ta tête, tu ne le connais pas. Parce que tu fais pas la différence entre la... Je cherche, moi je suis sémantique. Hein. Tu ne fais pas la différence entre la dynamique et le médiatique. Il est dynamique, il est effectif, mais il n'est pas médiatique. Parce que dans sa nature, c'est quelqu'un de réservé. Donc il n'a pas besoin de lumière autour de son nom. Mais toi, l'église, tu as focalisé. Donc, je t'en supplie, ne te pose pas trop de questions sur moi. Je sais, ne te pose pas trop de questions sur moi. Pourquoi je n'ai pas de grande église? Je ne peux pas te dire. Parce que moi-même, il est vexé. De 2007 jusqu'à 2012 pratiquement, j'avais refusé d'être pasteur d'une église locale. J'avais pris mes clics. Il était parmi les gens qui étaient contre. J'ai pris mes clics quand je suis allé en Afrique. J'ai dit, plus question à cause des gens de ma nation qui ont bousillé mon cœur. J'ai été détruit émotionnellement. J'ai tout perdu. Tout perdu. Et mon calvaire était long. J'en sors. Et il était long. C'est pourquoi quand je viens dans cette église, je ferme mes yeux, je dis, this is a church. This is a church. Ok, voilà, j'ai fini mon message. Cette parole, ce n'est pas Eliezer de Damas qui le dit. Ce sont les gens de la maison de Rebecca. Pourquoi? Pourquoi? Je vais clôturer. Parce que Eliezer de Damas entre avec l'atmosphère de ce qu'il a entendu dans la durée. Ces gens-là ne savaient pas que leur fille deviendrait productrice des étoiles. Mais quand Eliezer de Damas entre dans ce milieu-là, avec l'onction d'Abraham, ça chamboule leur programme. Ces gens-là, ce ne sont pas des prophètes, mais ils prophétisent. Non, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. En fait, ce que Dieu a envie de faire avec toi, tu arriveras dans certains milieux, on t'accueille, tu poses seulement ton portefeuille, tu demandes même un verre d'eau à boire. Tu vois seulement la vendeuse ou le vendeur venir te dire, madame, monsieur, j'aimerais être venu comme toi.
Parce que vous avez un charisme, vous avez quelque chose en vous. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a vécu longtemps dans une atmosphère, on emporte les germes. Même si on n'est pas le producteur de ça, mais le fait d'avoir été là pendant des années, tu vas t'étonner dans un endroit, tu vas comme ça, tu parles comme exaucé. Tu parles comme ton père. Tu agis comme ton père. Tu vas te retrouver dans ta propre maison. Quand il s'agit de trancher une affaire, tu te dis, qu'est-ce que le prophète aurait fait à ma place? C'est ça qu'on appelle la technologie d'Abraham. Elle ne reste pas seulement dans le point carré de la maison d'Abraham. Elle est transportable. Elle est transmissible dans des milieux qui ne sont pas forcément les nôtres. Que Dieu te donne le même succès que l'évêque. Non, tu n'as pas compris. Que tu étais en train de déclarer, il ne reste que 5 minutes, lève-toi. Lève tes mains, célèbre Jésus. Célèbre Jésus. I feel the grace of God. I feel the grace. I feel the grace of God. I feel the grace. I feel the anointing in this place. Come on. Lève ta voix. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Dieu est grand. Dieu est bon. Dieu est tout puissant. Merci. 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 Merci pour ton serviteur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton amitié. Merci pour l'espace. Je prie pour les jeunes de 18 à 25 ans. Tu es dans cette tranche d'âge, lève ta main droite. Tu es dans cette tranche d'âge, 18 à 25 ans. Seigneur, je prie pour que ce jeune homme ait la fluidité de comprendre la vision de ton serviteur. Dans le nom de Jésus. Amen. Je prie pour les jeunes gens de 25 à 35 ans. Tu es dans cette tranche d'âge. Lève ta main droite. Je prie pour les successeurs dans ce ministère. Donne-leur la capacité, Seigneur, d'accumuler des choses dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour le reste de l'audience. Lève ta main droite. Seigneur, je prie pour que ces gens soient porteurs de la technologie d'Abraham. Donne-leur la loyauté envers les valeurs qui sont les siennes, les valeurs apostoliques et prophétiques, les valeurs de leur maison. Donne-leur la négation afin que l'évangile seul soit l'objectif. Au nom de Jésus. Amen. I'm going to go to the hospital.
Tout le monde veut dire Dieu m'a dit. Tout le monde, en fait, les gens, quand il faut faire la volonté de Dieu pour soutenir une vision, parce que tu n'es pas Moïse, tu n'es pas Abraham. Les gens parlent de culte de personnalité. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous imaginez Pierre était le pasteur des gens, de Jacques et de tous ces gens-là? Mais il était leur frère. Dieu l'a élevé comme père. Est-ce que vous savez que nous avons des gens dans nos églises convertis, qu'on dit les seigneurs dans nos églises, mais qui n'obéissent pas? Mais pendant que Jean devait comprendre que quand Pierre parle, je dois me taire. Acte chapitre 3, fixez-nous les regards. Fixez-nous les regards. Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent. Jean s'est tué. C'était son frère, mais il est devenu son père. C'est ça qui tue la francophonie. Vous connaissez le pasteur qui vient après Tilly Jacks? Donnez son nom. Apôtre Ludor, toi tu es anglophone, dis-nous. Vous connaissez le... Vous voyez, celui qui est mort à l'île de Bahamas... Ils avaient reçu de l'autre côté là-bas chez eux, Bénil. Il avait un fils, un assistant. Pendant que Bénil était venu, il ne travaille pas de la même manière. Bénil, c'est l'onction, machin. Lui, c'est l'enseignement, les leaderships. Alors, quand vous recevez Bénil, vous devez l'écouter, profiter de la grâce qu'il a. Et son fils, là, il parlait tellement beaucoup. Il lui a dit, toi, ton air est fini à l'église.
tu ne nous as pas aidé à profiter de la grâce qu'il a. Tu parlais beaucoup, tu parlais de quoi? On l'a invité pour nous bénir. Juste parce que les gens veulent être connus. Vous voyez, chez les anglophones, il a chassé du ministère, il a mis de côté. Comme l'apôtre Douglas disait, nous on est des hommes de paix, on ne chassera jamais les gens de l'église. Mais bien aimé dans le Seigneur, comprenez les choses de Dieu. L'esprit européen, en Allemagne, au Luxembourg, pas en Allemagne, en Allemagne ça va, au Luxembourg, en France, en Belgique, c'est un esprit cartésien à telle enseigne que beaucoup de gens vont aller en enfer dans ces coins si nous ne sommes pas prudents. Les âmes doivent être sauvées, mais sauf que Dieu, sans contredit, il incarne les hommes. Comment on peut vous prouver le sérieux dans ce que nous faisons pendant des années et des années? On est en Europe, plus de 20 ans, sans scandale. Apôtre Douglas, vous voyez cette femme? Elle a un immeuble qui coûte 2,5 millions. Elle voulait vendre ça pour me donner la moitié. Elle est là. Moi, je dis, je ne prends pas. Et c'est une bonne personne. Avec son mari. Dieu ne m'a pas donné la raison. Aucune raison. Mais des fois, Dieu t'a dit non, sans raison. Mais comment on peut prouver les gens qu'on est sérieux? Les gens fouinent même dans leur vie pour nous trouver avec des failles. Les gens croient aux personnes qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas, plutôt qu'à leur père qu'ils connaissent. Les gens ont des... Dans nos églises, on a des fidèles, tu verras, fidèles de Papa Sikatenda. Dans ton église, lui, il se nourrit des prédications de Papa Sikatenda. Tu ne peux pas aller loin. Vous savez, il y a des gens dans ces choses. Hein, on ne part pas loin parce que on a bien prêché. Non, parce que tu es resté dans la vision. Imaginez-vous, tu as un enfant qui a 5 ans. Il part toujours manger chez les voisins. Et c'est ce qui se passe en Europe. C'est ça qui bloque les réveils. C'est ça qui bloque l'évangélisation. Parce que tu n'as pas de technologie. Tu n'as pas de choses à dire. Comme Eliezer de Damas, qui connaissait tout d'Abraham, à telle enseigne qu'Abraham pensait même lui léguer l'héritage. Il a dit, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier, Genèse 15. Pourquoi? Parce que Eliezer de Damas avait la technologie. C'est à cette dimension qu'on pouvait lui confier la responsabilité d'aller chercher une femme pour celui qui a de l'ascendance, Isaac. Vous savez, quand j'aurai mon enfant, ce n'est pas moi qui va le former. Je vais l'envoyer chez le berger Eric. Je vais l'envoyer chez le prophète Rifa. Parce que ce sont des gens qui me connaissent. Ils vont lui dire, ton père, c'est si, ton père a souffert. Ton père a été insulté. Ton père a vécu des combats avec des gens qu'il a aimés. Il les a fait confiance. Ton père. Ils vont lui expliquer ça. Ici, ton père, lorsqu'il faisait ça, ici, il avait raté quelque chose. Il nous a dit que ici, j'ai échoué. Dieu cherche des personnes loyales. C'est de cette manière que Meas, nous allons sauver Luxembourg. Nous avons une responsabilité dans cette nation. Pas pour blaguer. Cette grande responsabilité dans cette nation. Sandra, elle est là depuis 45 ans au Luxembourg. Tu as déjà vu les paralytiques marcher ici. Tu as déjà vu les boîtiers marcher. Mais tu l'as vu avec moi. Sans exagérer, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. C'est par moi que tu as vu ces choses. Elle est la première luxembourgeoise au monde qui prophétise. La première luxembourgeoise au monde qui prophétise. La première luxembourgeoise au monde qui fait des offrandes. La première luxembourgeoise au monde qui peut se tenir pendant 3 heures dans la prière. La première luxembourgeoise au monde qui a ses enfants qui servent avec Dieu. Amen. Si elle prie 1h30, elle doit donner ça à moi. C'est comme les hommes de David. Si David meurt, Sandra, si je meurs, quelle sera ta vie? Vous comprenez comment est-ce que vous devez prier pour moi? Parce que comme David,
Oh, nous avons aidé les gens. On a prié pour les gens. Leur vie commence à bien aller. Ils nous ont insultés. Berger Eric, si je meurs, quelle sera sa vie? Pasteur Serge Ndala ne connaît pas la vie d'Eric quand il est en train de parler. Eric a 2 véhicules, 0 km. Il n'est pas pasteur. Il travaille à l'église, il est salarié à l'église. Il roule avec une Peugeot 406 et combien là, de 44 000 balles. Sa femme, pareil, 0 km. Mais est-ce que c'est par ses efforts? Ce sont des fiches de paie que moi je lui ai données. Ces petits, je l'ai ramassé dans le péché, c'est un voyou. Mais quand il se met à genoux, ce n'est pas devant moi. C'est devant les dieux que moi je porte. Lui, il coupait les viandes chez Cactus. Mais il est à Sorbonne, il fait les droits parce qu'il doit être délocalisé pour devenir homme d'État. Mon fils là, Elvis, il est venu. Aujourd'hui, il est venu, le son a changé. Il n'a jamais touché aux instruments. Il n'a jamais. C'est lui qui construit toutes ces maisons-là. C'est lui qui fait des faux murs et tout. Il n'a jamais fait ça. Mais son coach, ça a été mon épouse. Même lorsque sa propre femme doutait de ce qu'il peut faire, ma femme croyait en lui. Elle doit sa vie à ma femme. Et vous allez croire que nous tous là, comme on est là, moi et mon épouse, avec tout ce que nous avons vécu avec Dieu, 30 ans depuis qu'on se connaît, je ne suis jamais tombé. Moi, je n'ai jamais... Oh, jamais. Oui, prophète Rifa, si tu lui montres la vidéo d'exaucé comme ça, je suis tombé, va te dire mensonge. Il me connaît. Est-ce que vous croyez que ce sont des blagues et qu'on est pareil? Toi, avant même que tu connaisses ta femme, les raisins t'ont touché, t'as bu le jus de raisin, t'as mangé les raisins rouges, verts, jaunes même. Tu as cherché même les raisins bleus. Pasteur Serge Ndala, tu es phénoménal. Ce programme devait avoir lieu. Sans déconner. Non, Elvis est venu, ça va se régler. Sans déconner, vous m'avez surpris. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu glorieux, notre Dieu puissant, notre Dieu glorieux. Ouais. Berger, tu vois, je suis en train de faire louer un studio meublé. Mais toi, tu avais rêvé, tu avais reçu un message. Tu avais demandé à Cynthia, ces gens-là, ils ont pris les studios. Et non, toi, tu, dans ton cœur, tu voulais lui dire que ça ne sera pas loué. Parce que tu avais vu quelqu'un est en train d'habiter là gratuitement. Et tu avais dit à cette personne que ton séjour est fini. T'es dit. Alors, vous deux, vous étiez en train de parler dans ce bureau-là. Ce jour-là, il avait mis un pantalon jean serré noir. Tu as touché à son pantalon, tu as dit, toi ne mets plus de pantalons serrés comme ça. Et ton séjour est fini là où tu habites. Jésus. Tu lui as dit, papa ne m'a pas dit, mais Dieu m'a montré que... Regarde, toi tu coupes les prophéties. Tu dis, je t'offre les studios meublés, tu vas habiter là. Gratuitement. Tu vas habiter là sans payer les loyers. Parce que ton temps est fini. Et tu avais une conversation avec ta mère. Ta mère a dit, tu habites où? Tu ne lui as rien dit. Tu habites toujours là où tu habites. Tu n'as pas voulu lui dire que tu habites toujours là. Alors toi, tu as coupé les téléphones comme si c'était les réseaux. Le pire, ce n'est pas ça. Je te vois maintenant laisser les téléphones dans la chambre. Tu es parti, c'est lavé. À la nostalgie. On en a parlé, papa, il y a 2 semaines.
ta maman t'avait dit que on lui a donné un contact lié à ton père. Un contact qu'elle est en train de pouvoir chercher d'un monsieur là. Je suis en train de voir le nom de Ricardo. Parce que Dieu est en train d'effrayer un chemin pour une petite histoire. Lui, son père est blanc, mais lui, il est sorti noir. Et sa mère est noire. C'est un technicien à un niveau élevé, un génie. Il fait des applications sans apprendre ça à l'école. Il crée des trucs. Je suis en train de te voir, tu es en train de travailler sur un logiciel vraiment d'une vraie chaîne de télévision. Maintenant, c'est le logiciel que tu as découvert, je vois un nom, c'est bizarre. On a écrit P-H-T et puis le reste des mots, on a écrit en anglais. On doit les caser afin que qu'ils puissent bien travailler dans la paix et dans la paix. Dans la paix. Garde-toi. Écoute beaucoup le berger. Tu n'as pas besoin de m'écouter. Si tu écoutes le berger Eric, qui va devenir pasteur aujourd'hui, tu m'as écouté. Dieu cherche. Sandra, je vais te dire un truc. Maxime deviendra pasteur. Je vis ça. Tu vois, pour savoir, c'est vrai. Au moment où j'ai parlé, tu t'es posé la question, comment ça va se faire? Parce qu'il a, il a des objectifs. Mais bien sûr que oui, nous devons entrer, nous, jusque dans l'armée. Afin de pouvoir influencer les gens. La campagne est longue. Raison pour laquelle toi, tu vivras très, très, très longtemps. Je vais te rappeler un truc pour comprendre. Hein. Un jour, ton père était fâché contre toi. Il t'a presque... Continue avec ça. On va pas le culte du soir. On doit. Il faut qu'on se sépare pour. Berger, tu as vu dans la conférence ce que j'étais en train de vous dire. Oh yes. Mon fils. Yokarangai. Non, il n'a pas compris. Parce qu'il n'a pas compris. J'ai dit, il faut m'écouter toujours. Amen. Amen. Sois béni. Tu vois, il honore le Seigneur. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé. Il est cadre. Il est cadre. Il a des diplômes. Beaucoup. Nous voulons les générations des hommes qui célèbrent Dieu. J'ai eu un père spirituel Daniel. Mais c'est un spirituel de toute ma vie. I'm going to go to the hospital.
Bien-aimés, la mission évangélique armée de sanctifier Luxembourg organise sa toute première conférence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes...